Ça marche. Hop là, je lance une petite VOD comme ça, on aura notre histoire inscrite dans l'histoire. Bonjour la VOD. Bonjour la VOD. On est avec Aurel et on fait The Dark Picture Anthology Man of Medan. Exactement. Voilà. Et là on commence tout juste et je peux m'être prête et là c'est bon, je suis prête. Alors il y a souvent par contre des petits soucis de synchro parfois avec ces jeux là parce que c'est pas des jeux très très bien finis. Mais là ça a l'air de se lancer direct, c'est fou. Et salut. Et le chat vous dit bonjour. Ah, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien multistream si vous voulez voir les deux POV parce qu'elles seront parfois différentes. Absolument. Voilà. Jouer vous avec une manette. Le lien est en message épinglé. Pour jouer avec une manette, appuyez sur A. Oui, alors oui. Ouh là là. Ça a vibré. Parce que j'ai appuyé. Ah ouais, ouais. J'ai appuyé aussi. Ah oui, quand il y a ça, c'est qu'il va se passer un truc. Ah quand il bon y a des petits bruits qui font ting comme ça, ça veut dire que il y a un choix à faire. Ça commence, ça commence, ça commence. Ça ferme le chat. Arrêtez d'écrire, on n'entend rien. Il a l'air crispé quand même. Oui, on aurait dit qu'il voulait parler, mais il a juste fait. Ouais. Il a poussé un peu. Ouais. Un peu chelou leur entrepôt Amazon, mais ok. Ouais, c'est... C'est bientôt les fêtes, je juge pas. Ah mince. Oui, pardon. Alors ça c'est vrai qu'il faut pardon le savoir. Oui, quand tu as le tab, ça m'épose. Et oui, je crois pardon que si j'ai le tab, ça fera pareil. Mais ça va, on connaît, désolé, on connaît. Je monte un peu le jeu pour les gens dans mon chat, pardon. Ouais, d'ailleurs le chat, n'hésitez pas à me dire aussi. Voilà. Donc si là, ça va. Je reviens sur le jeu. Voilà. Pas de sous, pas de sous. Marché portuaire. Manchuri. Oh. Allez, mon gars. On ferait mieux de retourner au navire. Ça va, le son, le chat? Waouh. Stop. Regarde un peu. Donc ça, c'est toi, Charlie. On dirait que Charlie, le bourreau des cœurs, va nous montrer... Ah ouais. Moi, je suis Charlie, moi. Mm. Il a l'air d'être super sympa. Ni nong bo dou ma, yong shi. Si je me battre. Hey. Donne-moi une pièce. Ah, j'avais mis des sous-titres. Ouais, moi aussi. Ah bah, ils y sont pas. Pour connaître ton avenir. Ça oui, Shembat. Le multistream est synchro à la frame. Nice. Alors ça, c'est bien. Oh, c'est rigolo, ça. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui commence. Ah, faut que je... ça. Utiliser R, quoi? Ne rien dire. Doute, serais-je riche, curiosité. Ah, là, c'est toi qui dois réagir pendant que moi, je fais semblant de me battre. Ah, tu fais semblant de te battre là? Bah ouais, là je me suis battu contre la machine. Je mets des petits coups de poing. Ah oui, ça entraîne au QTE en fait. Now you can fly! Mon bout dragon. Ah putain, mais j'ai rien suivi. Oh, ça va être juste pour t'apprendre les mécanismes du dialogue, je pense. Ce sera très intéressant. Ouais. Allez, dragon. Toi, t'es toujours en train de te battre, là? Ouais, ouais, toujours. Je pense que peut-être tant que t'as pas pris la décision, ça continue pour moi. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Un pion rouge. RT pour saisir un objet, R pour examiner. Mais je te pensais... Ah, je vois un saumon. Hein. Ou un thon. Je suis roi du karaté. Ouais. Parlez de moi à vos amis, hein. Parlez de moi à vos amis. T'es là? Ah, ok, Joe. Je compte sur toi pour la gloire et la fortune. D'accord. Ah, c'est toi qui va t'entraîner, comme ça tu vas tester le QTE. Bonne chance. Ah d'accord, pendant que toi tu fais le truc de... Je pense, ouais. Sur toi. Tu me prends pour quoi? Une banque? Oh, il est bien mystérieux. Ok, papy. Qu'est-ce que tu vois dans ah oui, voilà, bah, je vais faire R, RT, ok. Trouble, la mer serait calme. Jour réglera-t-il ses dettes?
Allez, on met les pieds dans le plat. Est-ce que Joe va devenir riche avec les 50 cents que je viens d'investir Lego pour Ninjago, lui le truc. Un peu, oui, c'est vrai. B. Oh, moi, merde, je fais putain. Ah, putain. Pardon. C'est un entraînement, c'est fait pour A, ça. Ah, B inversé, ouais. Voilà. C'est... Ah, pardon. Ça va me saouler, ça. Ok. Maintenant. Voilà. Examinez. Mince, je l'ai reposé. Non, attends, reprends-le. Quoi, tu croyais que j'allais me battre? C'est un une fleur. De fleurs, on dirait. Ni de tai fu, shen shen de zhigen zai di. Ta de gen, xi shou lai zi yu. Merci de votre participation, mais je vous en prie. Shen ming xi yuan shen xue. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Mais moi, du coup, je sais pas ce qu'il m'a dit. Poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. Je sais pas. C'était littéralement du chinois, c'est un petit peu compliqué. C'est... Bon, on va prendre le bateau. C'est vachement bien le multistream. Ah bah tant mieux. Ah. Ouais, sur ce jeu-là, normalement, ça s'y prête pas mal. Ouais. Ouais, parce que moi, je suis très frustré de pas savoir ce que... Oui. C'est vrai qu'attends, faudrait qu'on se mette... Normalement, j'ai le multistream, mais il est caché. Si je clique sur une autre fenêtre, ça va mettre pause. Voilà, tu l'as fait. Oh bah, faut que je le refresh. Ah voilà. Là comme ça, je te verrai. Allô? Ouais, allô? Allô. T'as un souci? Je te verrai. Ah mince, moi, je suis. Allô? Ouais. T'as un souci? Ah mince, bah oui, je crois. Ah voilà, nickel. Pourquoi? Alors attendez, parce que... Ouais, je pense que j'ai OBS qui a crash. Non, moi je te vois en live. Ouais, bah je suis de retour apparemment. Ça a coupé le stream ou pas? En fait, j'ai d'un coup, c'est très très bizarre. Mes écrans se sont pas éteints, mais c'est comme si mon ordi avait redémarré. Il y a mes stream decks qui se sont éteints. Oh. J'avais plus de son. T'as pas une mise à jour qui vient d'être faite, genre Nvidia, truc comme ça? Ah, je sais pas. Des fois, il y a des mises à jour qui te font un petit. Parce que j'avais plus de son. J'ai des trucs qui se sont éteints. La caméra coupée pendant 10 secondes, on me dit. Ouais, j'ai eu la caméra coupée. C'est très bizarre. En tout cas, là, je te vois. Et c'est vrai que ça n'a pas l'air de couper ton stream. Sinon t'aurais dû relancer. Alors, tant mieux. Tant mieux, du coup. Mais c'est une bonne nouvelle, déjà. Mais déjà. Trop bizarre. Ouais. Bizarre. Voilà. Il a bon dos OBS ouais. C'est le professionnalisme du streamer qui est en cause. Ouais, ça va, hein. Ça va. Faites des streams avec Logs, vous verrez ce que ça fait. C'est qui dira fait, moi, mon stream, il marche super. N'hésitez pas à venir voir mon point de vue. C'était gratos. Chaque fois, de toute façon, je l'embarque dans un truc, il a des problèmes. Ça va, j'ai pas besoin de toi pour avoir des problèmes. Hein, arrête un petit peu ton égocentrisme, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Salut, Canage. Allô? Ouais, je suis là. Oui, non, c'est pas tant, j'ai cru que ça avait recommencé. C'est bon. J'ai mis prête, du coup, bah voilà. Quand tu es prête, voilà. Tu es prête. Et bah alors, je suis prêt. Donc, j'appuie sur la bite. Voilà. Merci, Five Nights at Fury. Bon, on a une bonne ambiance en tout cas. Nous, on s'amuse à jouer au jeu de Go pendant qu'il y a des cadavres qui sont montés sur un bateau. Voilà, exactement. On est encore bien loin de se douter de ce qu'on va faire, je pense. Scumbag. Oh, ça va, ça a l'air d'être joyeux, pas de soucis. Oui, ça. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tout à fait. En plus, ils ont l'air rebou. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont fait pas, ils ont pas fait que ouais, jouer et se battre. Oui. Dis-moi, et mes 50 cents alors? 50 cents? Quel 50 cents? Allez, arrête! Hé, dégage, mon gars! Oh, ça se bat, on se bat? Ouais. C'est moi, ça! Tu t'es pris une patate! C'était un peu gratuit. C'était même totalement gratuit. Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Je suis... Donnez-moi donc celui-là. Je suis le général. Fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Ah ouais, on a bu en service et tout, c'est pas bien. Bah ouais...
c'est à cause de toi. Moi, je voulais pas au début. Hein. Tu peux rien, t'es trop influençable. Des cochons dans un port, bien sûr. Bien vu. Ah, la tempête. On s'y attendait un peu à la tempête, oui. En vrai. Un petit peu. On est d'accord, d'après ce que j'ai compris, ça va plus ou moins se passer sur le bateau. Ouais. De ce que je sais. Ça y est, ça pue, Luc. On a réveillé les esprits. Ah, ça y est. Ou du pu, je sais pas. Ou du... On a, ouais. Il y a les flacons de pu qui se sont... Ouais. Franchement, je préfère les esprits, hein. Ouais, moi aussi. S'il faut nettoyer le pu, non. Ouais, non, ça c'est dégueu, les gars. Si tu veux augmenter mes sédatifs, toi. Ah, on vit pas la même scène. On n'est pas au même endroit. C'est vrai. Oula. C'est écrit sergent, pas général, dans les sous-titres que tu n'as pas. Mais comment ça? Mais ouais, moi je n'ai pas les sous-titres. C'est dégoûte. On est le 22 juin. Ouais, moi ça m'a mis Lock, c'est Charlie. Mais moi là j'incarne Joe. Je suis Charlie. Hashtag. Et je m'appelle Lulu. Hey. Vous êtes sûr? On n'a pas la même ref. Pour le... Non, c'est pas. Mais je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu l'as? Bon. Oui, je l'ai quand même. Je pensais pas à ça sur le coup, mais ça m'a fait. Je sais pas. Ça pop comme ça, je. En faut ou un tox? Alors attends, allez. Alors, pour papa, reviens. Combien de détention? Entraînement autorisé, ok. Bon là c'est tous les trucs. Ivresse publique. 10 jours. Oh, j'ai pris 10 jours de détention à cause de mon ivresse. Non mais sérieux, au bout d'un moment. Viens, je vais me donner là. Je fais le tour de là où je suis et après je vais essayer de te délivrer. Ouais ouais non mais bah je pense que je suis enfermé non. Ah si peut-être. Je viens de trouver un cadavre dans un placard. Tu trouves des cadavres dans des placards? Bah ah oui, ça je peux te dire que oui. On va t'appeler Elise Lucet. Et là je ramasse du cadavre est tombé une clé, un portefeuille et des pièces. Pour l'instant je ramasse la clé. Alors peut-être que c'est pour moi la clé, genre pour me délivrer. Peut-être. Il s'avère que le soldat-charge Anderson en permission s'est enivré de façon indigne. Ça va, j'étais pas pire que toi. Soldat Anderson se disputait avec un autre soldat ivre. Des mesures ont été prises pour que les deux hommes regagnent leur navire. Ouais, d'accord. Bon, apparemment, on est la honte, hein. Ouais. Mais ça va me retomber sur la gueule, ça. On va croire que c'est moi, l'histoire du cadavre. Oh, j'ai du sang sur dans ma cellule. T'as du sang dans ta cellule? Bah ouais, mais il n'y a pas de corps. Il y a juste du sang. Juste... juste la puberté du jeune homme, tu vois. Non mais c'est bizarre. Ah, peut-être quelqu'un qui s'est éclaté la tête. Ce serait moi? Est-ce que je suis blessée? Je suis pas blessée. Ton gars a eu ses règles, mais je sais pas. Attendez, il y a un coffre-fort. Oh, j'ai un coffre-fort dans ma cellule. Mais c'est bizarre comme cellule, il y a pas des coffres-forts dans des cellules. N'importe quoi. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas? Ah, putain, j'ai un coffre-fort qui du coup est fermé. T'as un coffre, ah, quoi. Moi j'ai une petite clé. C'est super. Ah mais attends, je peux sortir. Mais je peux... Ah non, je peux pas passer par là, ok. Donc je suis obligé d'aller là. Bien. Pas de bouton pour courir. Non. Parfois peut-être. Mais ce sera contextuel. D'accord. Lox, ça le sent, Aurel et le cadavre. C'est un partage de tâches. C'est tout à fait. On est en coop ou pas? Salut Charlie. Ah, salut. Alors les vacances? On a raccroché les wagons. D'ici. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé... un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tirons-nous d'ici. Alors, pardon, excuse-moi, je fais un petit altab. On me dit que le son du jeu est encore un peu faible. Ouais, je pense qu'il faut... Je vais regarder ça aussi. Parce que, les voix, on les entend bas par rapport à tout le reste, j'ai l'impression. Donc je vais peut-être baisser un peu les... Je vais... Je sais pas, les bruitages. Les sons. Je vais mettre à 80. Moi, je vous le mets à 85, le son du jeu, les gars.
Et le reste... Et merci Super Marsouin pour ton 9e mois, merci beaucoup. Oh Super Marsouin. Ah, je mets les sous-titres du coup. Alors attendez, parce que... Là tu peux les mettre là aussi, profite peut-être. Ouais. Et moi je les avais mis les sous-titres. Ah bah ouais, ah ouais, bah oui, oui. Mais je vais dans les paramètres, je vais voir si je peux... Réglage audio de base. Mode audio. Nuit, mode cinéma, tout mode casque. Ah tiens, je vais mettre mode casque. On va voir. Je vais mettre tout à 90 et je vais laisser les dialogues à... Oh non, je mets tout à 100. Ouais. J'ai juste monté moi, donc du coup... Voilà. Super, j'ai oublié de sauvegarder. Je refais mes paramètres, j'arrive tout de suite. Comment tu vas, Super Marsouin ? Voulez-vous vraiment enregistrer ? Oui. Oui. Voilà, c'est bon. C'est Lox qui est trop forte aussi. Ah, alors attends, je vais baisser un petit peu Lox. Ça, c'est vrai, on me dit souvent Lox, c'est trop fort. Mais c'est ça, c'est les petits indiens, ça. Ça c'est toujours. Voilà, j'ai un peu baissé Lox. Ça fera du bien à tout le monde. T'as de la chance que j'ai plus les petits indiens parce que j'ai dû l'effacer pour que ça s'arrête. Mais ça, sinon, je te garantis que tu m'auras encore baissé. C'est la meilleure. Voilà. Oh, sans, ça, ouais. Lox est trop forte, mais pas Advent Girls. Elle a vachement progressé. Elle a rejoué. Oui, moi je fais des top 1. Hein. Bah ouais. Ah, attends. Ah, d'accord. Alors, moi je m'en vais. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah salut. Bon, bah je te suis. Mais je viens de par là, moi. Ah, je viens de ma cellule. Bah du coup, allons de l'autre côté, non ? Ah, je sais pas, je sais pas... Oh, je savais pas d'où tu venais. Oh ! Pardon. Alors, j'ai la sursaute facile. Hein, oh non, mais t'inquiète. Faudra appuyer au bon moment. Headbangers. Ok. Aurélien, porte-toi, a échoué. Lox a échoué, on m'a dit, moi. Quoi ? Moi, il écrit Aurél ? C'est moi, c'était écrit Lox. C'est quoi ce jeu qui nous embrouille, là ? Du coup... Ils essaient de nous monter l'un contre l'autre. Mais oui, j'ai l'impression que... Te laisse pas avoir, Lox. On va où ? Je sais pas, mais on est ensemble. On est ensemble, ouais. Moi, je m'en vais. On est ensemble, du coup elle se casse, super. Mais on vient de là, Lox. Mais les changements de caméra me perturbent. On va à droite. Il se passe quoi ? Il y a des morts. Ah, il y a eu des coups de feu, en tout cas. Ah. Qu'est-ce que... Oh. Ah, les petits points de vue à la Resident Evil un peu. Oh putain. C'était quoi ? J'ai pas eu de screamer, moi. Ouais, mais j'ai pas peur, j'ai pas eu sursaut. Moi, je suis toujours mieux que tout le monde. C'est une traduction. C'est fermé ? Oui. T'as une clé, toi ? Ouais. Tu devrais tester les portes, toi, peut-être. J'essaye celle que tu viens de tester. Ouais, même si bon, ça a pas l'air d'être une clé qui s'ouvre avec une porte, oui. On dirait plutôt que c'est une clé qui s'ouvre avec une porte. Oui, tout à fait. Si ça te fait plaisir. Bon, ça propose pas d'utiliser ma clé. Oui, normalement ça te propose, y'a pas vraiment de... Ouais. J'aime beaucoup le fait d'être deux glandeurs comme ça là, à galérer. Ouais. C'est fort. Oh ! Ah, faut que je spam. Ok. Oh putain, non. Ouais, tu l'as dit. Bah on peut plus rien pour lui. Ça marche trop en fait. Hein. Moi sur moi, ça marche trop. Je vous déclare avec des portes. Pardon, j'ai trompé. Ma fourche à languer. Ça vous arrive jamais, vous ? Oh, j'ai un petit bobo sur mon. Ah non, c'est toi, t'as des petits bobos sur tes coudes ? Oui. Eh bah, tu devrais opter pour la manche longue. Comme ça, tu vois, tu peux t'adosser à une table. Genre, tu vois, tu mets les coudes sur la table et hop, ça fait pas mal. Merde. Ouais, comme ça tu... Oh, encore un cadavre. Je te demande qui c'est. Bon, on le reconnaît pas. On arrive pas à interagir avec le cadavre. Non. Ah, merde. Si, c'est bon. Ah, oula, oula, il est tout, t'as vu ? Il est tout. Bah non, parce que je peux pas... La dernière fois que je l'ai vu, ah. Il est bien. Ah bah moi je vois.
Il crevait même d'envie d'avoir plus de gardes rapprochés. Au moins, c'est pas l'un de nous. Attends, je m'éloigne. Il est très crispé en fait, comme s'il était tout tendu de partout. Ouais. Je voulais pas avancer. Ah non, c'est bon. Ça fait peur. Moi, je repars. Tu repars? Ça fait peur là-bas? Non, en vrai, c'est juste que ça descend. Ah. Et moi, tout ce qui descend, ça me fait peur. Ouais, c'est... on descend vers les tréfonds là. C'est pas cool, c'est pas cool. Ouais. Oh, Mimoso. On dit qu'il est tendu de partout. Enfin... Oui, t'as dû. Ah, on peut me... Attends, LB, c'est quoi? LB, c'est... Ok, c'est exactement la dernière que j'ai regardée touche. Ah oui, là, on va plus vite. C'est la petite gâchette gauche, oui, pas la grande. Ouais. Du coup, je vais super vite. Je marche un peu de manière tendue aussi. Attends, parce que moi, mon perso, en fait, il... Parfois, il regarde sur le côté. Je me dis, ça se trouve, c'est un indice pour nous dire qu'il y a des... Parfois, ses yeux, ils bougent. Oh, ça va. Putain, putain. Hey, Dirk. T'as vu le gamin là-bas? Un gamin? Non. Ah, je l'ai pas vu, mais moi. Ah, mais t'as rien vu, toi? Ah non, vraiment. Eh, tu serais pas petit peu... T'aurais pas un peu la folie des océans, toi? Salut, pas la peine. Je suis dans la marine, ça. Je sais pas, j'ai pas le mal de mer, moi. Fou, tu parles. Tu paries qu'il y a plein de... Tiens, je vais juste me foutre devant toi pour t'empêcher de marcher. Et nous, on faisait des bastons d'abdos, là. Oula, je pense qu'il va falloir... Ouais, il va falloir faire... On me dit, prends un camion et tire-toi. Ouais, sur un bateau, tu vas pas aller trop loin, mais... On va prendre un marsouin. Ah, on est... Quand tu connais l'histoire, c'est un régal. Ah, c'est toi qui est devant. Ah, c'est moi qui est devant. Oui, c'est moi qui ai pris une mitraillette, là. Oui. Les yeux, ils sont... Ils sont sortis. C'est où, Charlie? Moi, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Oui, c'est moi. Charlie. Non, c'est pas toi. Ah, c'est bon. Oula. Cache-toi. Ah si, c'est merci toi. Merci pour le follow. Clément Verber, Vergreg, merci beaucoup, bienvenue. Je fais ce qu'il me dit. Faites cacher, j'ai dit, faites cacher, allez, faites cacher, il faut pas se cacher. Moi, il y a un enfant qui se cache dans un placard. Non, c'est moi, c'est pas... Pourquoi je tire dessus? Mais, il m'a... Je viens de fumer le placard. Mais c'est moi qui est dans le placard. Quoi? Mais je veux... Mais non, c'est un enfant. Avec... Non, c'est moi, hein. Oula. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Ben moi aussi. Toi aussi? Tu m'as tué. Mais... C'était moi qui étais caché dans un placard. Locke tué par Aurel. Mais ça dégoûte. Mais... Ah merde. Mais c'était un enfant possédé qui rentrait dans un placard, je tirais dessus. C'est pas de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Votre position, je le répète, donnez-nous votre position. Oh, c'est pas vrai. Tu vas marcher, oui. Et... Oh, le GG ironique que vous m'envoyez à la gueule. Oh là là. Le petit stream est à exploser de rire, merde. Oh là, il y a des créatures avec des longs bras. Y'a du monstre. J'ai de fou. Petite petite, t'as froid. Je sais pas qui je suis. Ouais, j'ai un opérateur radio qui comprend rien, qui dit non, pitié, ouais. Pitié. Là. Oh, j'ai raté. Ça part en couille, ça part en couille. Toi, on a perdu. Oh là là.
Jor-El, c'était un gamin. Non, mais au moins, il m'a toujours... Voilà, moi, je sais qu'il a toujours vu comme un gamin, tu vois. C'est un gamin possédé, bon. En vrai, c'est l'intro, et dans ces jeux-là, l'intro, souvent, tu peux pas sauver. Mais en fait, je pense que si au moment de tirer sur l'armoire, j'avais rien fait, peut-être que j'aurais pas tiré dessus. Je sais pas, t'avais le contrôle ? Bah oui, tu sais, il y avait la croix comme quand on s'entraîne à la bagarre avec le pantalon du bleu là. Ah, la croix, d'accord. Sur la gâchette. Du coup, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai pas le son ? Moi, j'ai plus de son. Ah, moi, j'ai le son. T'as pas Alt-Tab ? Non. Là, j'ai Alt-Tab. Il fait oui. Voilà. Attends, je veux faire un truc pendant le Alt-Tab, j'ai oublié ce que c'était. Attends, ça va me revenir dans quelques secondes. Le son est revenu, mais. Ah oui, je voulais enlever le chat du stream parce que c'est moins immersif. J'enlève le chat. Ah oui. Non, voilà. Enfin, Man Locks, elle connaît pas le jeu, elle connaît la série, elle a fait la j'ai fait les autres Dark Pictures. Ouais. Mais pas celui-là. Mais pas celui-ci. Puis c'est... Non, moi, non, j'ai pas envie de pipi. Et moi, je connais... T'as pas envie de pipi ? Non, ça va. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a tes parents qui sont venus te demander si tu voulais pas faire pipi ? Comment ça se passe ? Non, c'est mon modo. Et il sait que quand je bouge sur place, c'est que j'ai envie d'aller aux toilettes. Il a une enfant, du coup, il sait. Donc... Mais non, non, j'ai pas envie. Non, non. C'est juste où j'ai enlevé le chat pour que ce soit plus immersif. Tout à fait. Van Greenman, lui, il connaît. Il dit que ça va être un régal à faire. Quoi ? Pardon. Ah, nice. Attends. En fait, j'ai... Attends, pardon, excuse-moi, je refais à la table. T'as pas le son ? En fait, j'ai le son dans le menu, mais pas de la cinématique. Quand je remets... T'as pas mis les musiques trop... Enfin, tu les as pas coupées sans faire exprès ? Alors, paramètres. Avec du joystick. Audio et lent. Non, volume musique, elle est... tout est à fond. Réglage audio de base. Mode nuit, on cinéma, casque. Mettre casque. Ouais, au pire, oui, refais un truc comme ça. Ça va peut-être réinitialiser un peu les paramètres. Ouais. Voulez-vous sauvegarder, enregistrer ? Oui. Et maintenant... Continuer. Normalement, cette intro, elle est pas DMCA, et sur tous les jeux, j'avais pas eu de strike. Donc normalement. Bon. Voilà. Ouais. Normalement. C'est le générique de. Merci. De la série, c'est ça ? Ouais, il y a toujours cette petite intro. Ok. Bah non, j'ai trop pas le son. C'est trop bizarre. C'est très 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 bizarre. Moi, j'ai le son, hein. Ouais, toujours mieux que tout le monde celle-là. C'est allé. Moi, je tiens à dire que la musique elle est super. Non, c'est pas DMC. Oui, normalement. Hein. Bah, de toute façon, il y en a un des deux qui aura moins le problème, tu vois. Oui, voilà. Si à la fin de l'intro, il n'y a toujours pas de son. Et t'entends. Bah, non, il n'y a pas de bruitage à part la musique en plus. Est-ce que tu ferais la musique à la bouche pour moi, s'il te plaît ? Ok. Ça colle bien, hein ? Abonnez-vous. Regard mystérieux. Là, j'ai une merguez partie en même temps, alors là c'est bien. J'y ai pensé. Ah oui, sur ton écran, c'est. Il y a une merguez partie en plein milieu. Ouais, sur le regard mystérieux de Framboisier, c'était bien. Oh, dis-moi que t'as le son. Ah, ouais, là j'ai le son. Alors j'ai encore la merguez partie, mais j'ai le son. Bonjour. Et bienvenue. Alors qu'il y a la crimosa dans le fond. Immersion. Alors, immersion. Immersion. Immersion, collection. Beaucoup de mots sur qu'on pourrait dire. Ouais. On dirait un peu Robert Patrick aussi. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront.
et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie, ou bien plutôt de périr. Non, nous on périt pas, nous. Non. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu. Et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Vous dites Cathy à cause de Perry, le chat ? Personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt. N'est-ce pas ? Vous déterminerez le cours de l'histoire ensemble, ou parfois séparément. Vous ne comprendrez pas toujours les choix de vos camarades, car nous avons tous une vision des choses un peu différente. Mais comme dans la vie, vos actes auront des conséquences. Et le moindre de vos choix affectera ceux qui vous accompagnent. Moi, je pense que mes choix, ils seront mieux. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que... à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Oui, c'est la voix de Morgan. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre et de la chaussette de Noël dans JDG. Plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées. Ou le chaos que vous aurez causé. Pas notre genre, ça. Non. Oh. J'aime bien ces petites mises en scène comme ça. Ça te met bien dans l'histoire. Ouais, c'est efficace. C'est très efficace. Voilà, c'est ça. Lox et Brad. Polynésie française. Toi, t'es Alex. Moi, je suis Alex. Ouais. C'est vrai, l'autre, c'est avant... Enfin, c'est marrant. Genre, moi, je sais avant toi qui tu es. Et l'inversement. Non, en fait, non, c'était écrit dans le coin opposé. Mais vu que j'étais en train de dire... Mais, mais on sait pas nous qui on incarne sur le moment. On sait qui l'autre incarne. Ah, bah voilà. Frère d'Alex. Oh, on est frangin. Intellect. Innocence. Alex, je suis innocence. Petit ami de Julia. Insécurité. Motivation. Je suis motivé, mais pas super sûr. C'était pas... Tu doutes, quoi. Ouais, ouais. Moi, je suis innocente. Brad, intellect, frère d'Alex, innocence. Ah ouais. Innocence. Ça suffira ? Bah oui, j'ai des lunettes. On réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous ? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros ? Bah, faut passer des niveaux, dude, hein. Moi, je dis ça à moi-même. Ouais, bien sûr. Motivé par la sécurité. Ça, c'est grave, en plongée, tu vois. Mais je te préviens, je suis dur. Pas de traitement de faveur. Non. Faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Ok. J'espère que t'as bien compris. Moi, on dit qu'on est... qu'ils sont quasiment sûrs qu'à un moment, tu vas faire me tuer. Tout ce que tu dis. Ouais. Et vice versa. Genre, t'es mon boss. Bon, moi, j'ai déjà été tué par toi. Hein. Ouais, oh, ouais, ça va. Waouh, fais gaffe. Ça arrive. La caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi ? Sois relax. Quoi ? Julia et Conrad, ils sont... Sois relax. C'est pas toi qui as payé ma caméra. T'es en plein aux as. Donc ? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Oh, il a honte de son frère. J'étais invité, je tiens à dire. Est-ce que... Ouais, Sundark, il dit... Hein ? M'emmener ? Est-ce que... rigoles ? Je croyais que j'étais invité. Est-ce que plus tard, on ferait pas des choix par rapport aux choix qu'on fait maintenant ? C'est-à-dire qu'est-ce que... faudrait pas... Brad ? Est-ce qu'on doit se dire les choix qu'on fait ou pas ? Je t'ai pas amené ici parce que t'es mon frère. Ça peut être marrant de le découvrir. Mais... Ouais, je sais pas. C'est parce qu'on est potes, tu vois. Bon, là, c'est que du dialogue. Si on veut. Oui. On est venu ici pour décompresser, pour s'éclater, entre potes. T'es parti dans ton délire ou quoi ? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ouais, légendaires. Ok, ouais. Mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Bon, allez. Donc, ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein ? Ouais, ça tombe bien. Quoi ? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre Annie celle-ci Lolo à l'abri alors. Ouais. Oui, bah c'est ça. Excellent. Je pense que des fois c'est bien de pas se dire, surtout quand on commence à lancer une embrouille. Oh, petit bateau. Hey ! Oh là là. Je pourrais te demander un truc ?
Ouais, quoi? En fait, c'est assez important, je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Qu'est-ce que tu sais? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Moi, je sais. Pendant que tu posais les bières, j'ai vu un truc. Enfin, j'ai fait un truc. Ah, moi, je vais faire le suis sentiment. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Suis ton instinct. Il va tomber enceinte. À ton avis, il est enceinte? J'ai un truc à t'annoncer. Sœur de Conrad. Quoi, Conrad? Conrad, frère de Julia. Insouciance, c'était mérité. Ah, moi, je suis innocence, plus c'est insouciance. Ouais. Mmh. Oh là là, vas-y, comme coucou je t'emballe. Féline. Pardon. Oh. Conrad, voici Alex. Eh, hey, salut mec, Conrad. Salut. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Trop bizarre. Content de te rencontrer enfin. Ouais. Trop bizarre. Ouais, chelou, chelou. Petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Joli Bermuda, en tout cas. Salut. Je suis le mec social de la bande, vous avez remarqué? Ouais. À chaque seconde. Allez, on va dire ça. À vrai dire, j'ai un petit souci avec le mal de mer. Bradley. Écoute, c'est très simple. Il n'y a qu'un remède au mal de mer, c'est de siffler une bière. Oh, j'aime bien ce remède. Tes commentaires, okay. En fait, ils ont tellement rien à voir avec mon dialogue à moi. Allez, petite binouze et ça repart. Cool. T'as vraiment le vent en poulpe. J'ai le vent en poulpe. C'est poulpe. Ah, il est trop drôle. Hey, c'était une blague. Le vent en poulpe. Oui. Et mon personne n'a pas compris la blague. Il est trop nul. Je suis vraiment un nulos, quoi. Oh, le loser. Non, c'est le seul que j'ai pas fait, ouais, ce Dark Picture. Le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs. Voici le cul du capitaine. Le capitaine du Duke of Milan. Duke of Milan. Courage. Impatience et courage. Ouais, mais impatience aussi. Hein, donc... Ouais, bah ça se voit, regarde. Alors, ouais. Elle a une tête ouais. courageuse, mais impatiente. Vous, mais quoi? Tout le monde est à bord et prêt à partir? Oh, l'ambiance de merde. Ouais, ouais. Relou. Oh, la meuf relou. Mais on la pousse. Hey, elle a inséré une clé pour faire démarrer le bateau, exactement comme celle que j'avais ramassée. Ah ouais? Oula, hey, oh là là, elle a fait exprès. Oh, quel nulot! C'est parce qu'il buvait de la bière, du coup. L'alcool, ça l'a fait tomber. Ah merde! Ma caméra, elle a... Elle dit non. Elle dit... Attends, pardon, ah, excuse-moi, je fais encore un petit attable, pardon. Bah non, mais c'est normal. Mais c'est vrai que t'as... Enfin... T'as l'air d'être galère. Mais pas de soucis, pas de soucis. Et pourquoi? Qu'est-ce que quoi? Voilà, ça c'est mieux là. Moi j'ai revenu. C'était quoi? Aucune idée. J'ignore de le savoir. J'ignore de le savoir. Il enchaîne les galères. C'est... Mais oui, mais j'ai l'impression que je lui porte la poisse. C'est pas toi, Lox. c'est pas toi. C'est de temps en temps, c'est comme ça. C'est voilà. C'est mon stream qui est possédé. Ouais, c'est ouais ça va dans l'ambiance du jeu, remarque. Le jeu qui va tuer le PC. Ah, c'est le jeu, il est trop gourmand. Hein. Le jeu, il y a 10 ans, là. Est-ce que je vais finir le jeu en sauvant mon PC? Ouais, on va essayer. Mais c'est raccord avec le jeu, c'est vrai. Allez. Nord de la Polynésie française, le 20 juin. Ah. Ouais, j'avais dit que j'avais mal de mer. C'est, je crois que c'était vrai. Tiens pas. Ouais. Elle va être sympa que avec toi. Tu veux peut-être t'allonger. Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Non, elle lâche la mitraillette. Ne tire pas sur ton PC. Allons, voyons ces images. Ah, t'es Conrad maintenant. Ah, je suis Conrad maintenant. Ouais. Ouais, il a une super tablette dégueu. Avec beaucoup trop de contraste, enfin de beaucoup trop de reflets dessus. J'essaie de suivre ma discussion avec Fliss. Est-ce que tu peux deux secondes te. Hein, bon. Fliss, c'est pas un vrai prénom. S'il est trop tard, je connais des coins sympas pour plonger pour le fun. Ah, cool! Je fais confiance à Brad. Brad était sûr.
ne rien dire. Oh putain, j'hallucine. Optimisme. Mate-moi ça. Je fais confiance à Brad. Alex, viens voir. Je crois qu'on a trouvé un truc. Ouais, moi j'ai trouvé un truc. Pendant que toi tu faisais rien. Non, je disais à Bliss que je pense qu'ici il y a une épave. On est venu pour fouiller une épave. Et elle dit que ça se trouve, il n'y a rien ici. Et mais bah c'est, si. Brad, c'est Brad qui dit. Et bah moi je l'ai découvert. Ah bah voilà. Je vous laisse admirer ça. Et bah voilà. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours Sophie à Brad. Salut, sœur. Génial. Faut le remercier. J'aime pas le coucou. Si, je t'ai dit coucou, Féline. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai dit, hein. On est prêt à plonger. Je l'ai dit, hein. Petite Féline. On est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Bah, on pourra le déclarer après. Bah oui. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Mais on plonge pas ou mais qui sera? Ah bah, t'es. Comme tu veux. Vas-y. Bah, on est pas là. Si on nous interroge, on est pas là pour enfiler des gaufres. C'est là qu'on l'a vu. Voilà. Qu'il saura. Des gaufres. C'est ce qu'on dit en Belgique, pas du tout. Ouais. Ah voilà. Moi, je Conrad, il est chiant. On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Qui peut le savoir? Bien sûr, Conrad. N'est pas alors. Et surtout, ne touchez à rien. Même pas à l'eau? Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en main. Vous vous rendez compte? La Prums! La Prums! Ouais, Perse, ouais, comme on va. Dit sur Twitch. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Ah, c'est pratique. À la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être. T'es déjà en tenue? Ouais. Mais toi aussi, là. Moi, je suis. Ah, en... non, toi, t'es pas elle, toi. Non, moi, je suis. Mais tu vas rester sur le bateau. Julia. Ah non. Oh non. Et Julia. Hé, hey, Conrad, ça roule? J'ai vu un peu glitcher. Tu m'as vu glitcher? Un petit peu. Oh, boulot, boulot, boulot. Je croyais qu'on était venu ici pour se relaxer un peu. T'as jamais eu à bosser de ta vie? Tu rigoles? C'est du boulot de rien faire. C'est carrément. Et je me tue à la tâche. Ouais, bah tu ferais mieux de regarder comment marchent les recycleurs si tu comptes plonger demain. Bah, blabla, cause toujours. Oh, hey, quel insupportable, ouais. Connard. Conrad, pardon. Je suis pas très emballée par notre capitaine. Mais écoute, elle est à côté, elle t'entend, hein. Ouais, je sais. Hey. Tâchons de rester cool. Elle est juste derrière, là. Tâchons de rester cool. Quoi? Cool? Quoi cool? C'est pas malin de se la mettre à dos. Quoi cool, les... Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord. Mais putain, je sais pas pourquoi je sors avec elle. Hein. J'adore ta meuf, mec. On préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Conrad, il a un petit air de Barney Simpson. Non, Stinson, pardon. Ah oui, c'est celui qui oui, qui dans X-Men. Dans Emmett. Ah non. Ah non, non, c'est celui qui joue dans X-Men qui fait le froid. Le. Pardon, juste à l'oreille. Tu peux refaire le froid? Ah, c'est bien, c'est... Non, on s'y croit. Ouh, j'ai un petit frisson. Non, il s'appelle Bobby. Voilà. Salut. Bobby, pardon. Quoi? Bobby, en fait, s'il dans y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Ah, si, on dit que c'est celui de Why Met Your Mother. On a payé cher. Ouais, pardon. Ouais, mais en vrai, l'acteur, c'est celui qui joue Bobby. Je connais pas. C'est Frigo dans X-Men. Mais non, pas Frigo, il s'appelle pas Frigida. Il s'appelle. À chaque fois que j'emmène. Il s'appelle Bobby. Et il sort avec Mary Jane. Aucun respect pour les coutumes. Enfin, avec Malicia. C'est pas Mary Jane du tout. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Je sais plus. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? Attends, on me demande l'expérience que j'ai. Je connais les règles. Ça y est, on te fait passer un CV. Moi, je vais boire des bières. J'ai exploré des épaves. À plomb. Allez, j'y vais avec la plomb. J'ai déjà exploré des épaves. Montre que tu sais. Voilà. Tu vois. Connais. Si tu as une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Comment tu te sens? Oh, j'aurais jamais dû boire cette bière. C'est quelle douceur. Ah, c'est bon. Qui va le savoir? J'ai pigé. Combien? Relax, bras de fer. Si tu nous cherches, tu nous trouveras sur le pont. Ouais, je remonte dès que... Ça marche, Valo. J'arrête de dégobiller. Waouh, une expression de papy. Oh là là, mais il est trop nul. Tu sais quoi? Faites-vous baisser. Mais respectez les règles dans l'eau. Oh, tu te fais engueuler un peu, toi, non? Qui me mettrait dans la merde. J'en entends, elle est énervée, hein.
Moi, je fouille. Tu viens d'assister à la même scène que moi ou pas, toi? Ah non, non, moi, je fouille et j'ai vu l'autre nulos, là, allô, qui est en mal de mer après une bière. Tu m'entends pas? Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Qu'est-ce que... Tu m'entends? Attendez. Allô. Allô. Ça a allô coupé. Est-ce que je suis toujours là, les gens? Ouais, ouais, t'es toujours là. Oui, oui, oui. Dites-lui, le chat, oui. Parce que... Nox n'est plus là. Si, si, je parle. Nox n'est plus là. Vous êtes là, vous? Si, si, je parle. Oui, vous êtes là, d'accord. Mais il m'entend pas. Si, si, je parle. Tu m'entends? Oui. Parce que moi, je t'entends plus du tout. Oui, je t'entends. Qu'est-ce que c'est? Il est sorti par la bite, celui-là. On l'entend. Oui, tu m'entends. Attendez, putain, je décroche et mais je c'est... raccroche. Je rappelle. Putain, attends, hop. Oui, non, et non, hop. Non, bah non. Allô? Ah, ça y est. T'es revenu. Je, ok, là c'était peut-être Discord parce que bah, je parlais et tu m'entendais pas et moi je t'entendais. Non. Du d'accord coup j'ai raccroché et je suis revenu. Ok, bon. Oui, mais... je disais que moi je visite partout. Tu visites bateau partout. D'accord, ouais, tu viens pas de voir la même scène que moi. Non, mais je l'entendais t'engueuler par contre, la meuf, un peu. Elle était un petit... J'entendais qu'elle te... En fait, elle voulait pas trop que j'y aille et je lui fais comprendre qu'on a quand même payé. Ouais. Donc voilà, et elle me dit, et ça a fini par, ouais, bon, et bah ok, faites-vous oui plaisir, mais ne faites rien qui me foutrait dans la merde. Voilà ce qu'elle a dit. Ouais, c'est ça, j'ai entendu. Mais elle disait ça de manière énervée, un peu. Un peu, ouais. C'est-à-dire que bon, elle a pas grand-chose à dire parce qu'on paye, mais elle a pas très envie, mais elle, quand même. Voilà. Mais elle a accepté la thune, quoi. C'est, bonsoir, Blacklist, comment vas-tu? Pardon, excuse-moi, je dis bonjour aux gens qui arrivent en même temps. Pas de soucis. Enfin, quand t'es prêt, on peut relancer. Oui, oh, ça va, c'est toi, on peut relancer. Et bonsoir, Surf Moine. Surf Moine, j'aime bien le pseudo. Ah ouais, c'est un mémodo. Non, voilà. Ben, bonsoir à toi, bienvenue. On va finir le jeu avant Noël ou pas? Non mais hey, ça va, fais ce qu'on veut. Va. Le stream est cursed, mais ça va avec c'est l'ambiance. Exactement. Oh, Shroud of Innocence. C'est quoi ce truc? D'où? Bon choix. Ou de parfum. Bien joué, Alex. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est mes propres affaires. Mais pourquoi je déballe mes affaires? Vas-y, va dans l'eau, mec. J'aurais pas dû faire ça, du coup. Ah, je vais voir dans la suite, un peu. Ah, on est d'accord, c'est le mélange d'un surfeur et d'un moine, ton pseudo. Ouais. Ah, j'aime bien. Coucou. Coucou. Ça va? Comment ça va? Bah, il va pas bien, hein. Désolé. Non, il va pas très bien. J'aurais jamais dû boire cette bière. C'est pas la bière. C'est pas la bière, c'est qui te donne non le mal de mer, espèce de nul. Mais bon, c'est mon petit frère, je veux dire, ça allez, fait t'en partie de l'aventure. Ouais, moi je me suis un peu moqué de lui. Wow. Soyez beau, soyez slip. Oh, c'est en 2 degrés Celsius, ce studio est pas américain. Je sais pas, moi. Ça se passe en Polynésie française, alors peut-être ouais, ils ont adapté. Ouais, alors, aux... donc voilà. Ah, c'est peut-être réaliste. Peut-être ils ont adapté aux gens normaux. Bon, j'ai vu une vision. T'as eu une vision? Ouais, regarde, je vais plutôt... Bon, c'était pas grand-chose, mais fouille dans la salle, juste la pièce principale, tu vas voir un petit tableau avec un bateau. Celle-ci du bois. Oh, mais oui, effectivement, c'est un nom francophone, ça. J'ai l'impression que c'est un faux. La salle principale et un petit tableau. Alors, attends, déjà, là-bas, il y a un truc... Institutrice identifiée vers tout le monde à mener des cours, machin, machin. Expire le 31-12. South River. Non, 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 non. Là, c'est fermé, apparemment. C'est juste quand tu vas remonter, enfin, quand tu vas repartir, tu vas ouais, voir le un petit tableau. Ok. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, dis donc. Dans ta vision, t'as vu quoi, toi? Normalement, on voit la même chose. J'ai vu... J'ai vu le frangin, notre... ouais, le frangin, c'est ça. Qui est solo, cabine, on dirait ouais, un peu. Solo un peu, oui. Et un petit peu la nuit, je dirais aussi. Ouais, je vois l'idée. Ah, on peut putain, la revoir. Chaque fois que je m'épose... Ouais, on peut la revoir. Chaque bah fois ouais, que parce pose, que... Pour toi aussi. Ça, eh ben oui, ça avance en parallèle. Eh oui, bien sûr. Ok. Et du coup, ça, j'avais regardé, mais j'avais rien vu. Il y a des lunettes, mais elles servent pas à grand-chose. Elle a pas fait, je vois un craquet. Ah, il y a... JetSafe, t'as un crush sur Fliss, toi? C'est qui, Fliss?
C'est la capitaine, là. Ah ouais. Qui s'appelle Félicité Dubois, en fait. Félicité, oui, c'est ça. Mais Félix, c'est vraiment nul comme pseudo. Félicité, c'est très bien. Félicité, au pire. Oh non. Ouais. Cité ? Non. On dirait bien que c'est un fait. Non. J'ai lui parlé, elle va m'engueuler. Ah, de quoi c'est un faux? Je viens de dire que bah, sa carte d'identité, mon perso, il vient de dire on dirait bien que c'est un faux. Ah ouais? Ouais. Mais je l'ai entendu le dire en plus. Ah moi ouais, ça... Bah... Locke c'est en train de faire un choix. Bah pas du tout. Ah bon? Les gars, ça y est c'est prêt. À la tienne. Moi c'est écrit Locke c'est en train de faire un choix. Je fais ça, et peut-être ça va... Voilà, je remets prêt. Parce que ça a rien activé, j'ai commencé à parler à Félicité là. Félicité elle est de 83, ouais ouais. Et en fait, bah ça ne fait rien. Tu es bleu. Ah mince. Attends. Comment je peux faire? Est-ce que... On est sur un bug. Oui, on est sur un bug. Oh non. Ça se passait si bien. Pas de bug. Attends, si tu remontes, peut-être tu peux faire un tour. Voilà, pousse-moi. Non. Ah merde. Ah non, putain, j'ai cru que j'étais bugué aussi. Vas-y, vas-y, je crois que tu vas pousser un peu. Ça va peut-être me sortir du faux dialogue. Ouais. Non, j'essaye de pousser, mais rien ne se passe. Non. Avoue, en fait, tu t'as flashé sur elle, en fait. Et ça se voit, là, par contre. Oh, il bouge tout seul, mon perso, ok. Est-ce que je le gêne? Peut-être. Ah, je peux juste bouger la tête. On va peut-être devoir relancer le jeu. Quel enfer. Si tu poursuis l'histoire. Si tu. Toi, tu lances un truc, peut-être, ouais. Si je lance une. Si je lance une cinématique. Ouais. On va voir. Il te voit pas au même endroit. Ah, super. Je vois, je te vois pas à l'endroit où toi tu es. Bah je sais pas apparemment. C'est étrange cette histoire. Je regarde un peu la tablette. Non mais attends, je vais. Je crois qu'on va. Si je parle à Julia. Ouh. Conrad. Moi ça m'est cinématique. Ok. Ah bah voilà. Oh oui. Ah merci. Voici le recycleur. C'est okay. Bien mieux que le matos de plongée habituel. Okay, il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ouais, c'est trop génial. Ok, l'oxygène, c'est fait. Ça existe, ça, en vrai? Sûrement, je sais pas. Une idée. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Tête de linotte? Oh là là, personne j'aurais pas aimé. Elle t'a dit tête de linotte. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée? T'es en train de parler de ma frangine, là. Absolument. Oh non. Le Conrad nul. Petit étard. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Non, on va pas voir ce que fait Fliss. Peggy 18. Mais Conrad, il est nul. Quel rapport avec le temps de décompression? Mais je sais pas, moi. Je vais prendre, je sais pas, le truc à droite. On dirait un peu de matraque. Alors, tu roules? Alors, ils vont plonger ou quoi? J'ai un bon harpon. Je sais que l'attente doit être interminable, mais bon. On sera bientôt tous les deux. Je vais prendre l'autre truc la aussi. La journée va être longue. Oh, ok, les gars. Ce moment, j'ai la caméra c'est aussi. Parti. Et n'oubliez pas les règles. Fliss, elle veut mon boule. Elle veut ton boule? Je sais pas en fait. Je vais peut-être juste surinterprète. Mais vas-y, fonce, hein, parce que le caractère qu'elle a, ça doit être quelque chose. Parce qu'elle a dit, hey, la plongée va durer longtemps. En mode, on va être tous les deux, ouais, tu vois. C'est... Tu vois? Oui, bon, des fois derrière, effectivement, c'est... ça bug un peu. Ça bug un peu ? Non, bah, des fois, en fait, on te voit pas tout à fait au bon endroit et je te vois faire du surplace bizarre. D'accord. Mais bon, c'est pas très dérangeant, c'est un peu rigolo. T'as la cinématique sous l'eau, là, aussi, toi ? Ouais, là, je l'ai aussi. Ah bah, je vais peut-être incarner peut-être. Julia, peut-être. Peut-être, ouais. Parce que j'avoue que, bon... Ouais. J'aimerais bien voir, quoi. Bah oui. Oh, mais ça nous spoil ! Sur une base de cadavres, a priori. Hein. Ou alors c'est juste la chose. Ouais, mais il y a le crâne, j'opterais plus pour le cadavre. Quand même. Mmh.
Je crois que c'est Julia. Ah bah voilà. Ça va ? Normalement, on plonge de dos. Plus ou moins. Mais bref. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait. Je Fliss, moi. Ah merde. Un tout petit truc. Insouciance. Ah bah moi je suis dans l'eau moi. C'est pas comme si vous pouvez respecter les paves. T'es dans l'eau toi ? Oui. Putain, moi je suis Fliss moi. C'est fort. Ça doit être l'avion. Tu l'as joué au meilleur moment. Ouais. Et moi il y a Conrad qui me drague. Ah bah voilà. T'as une histoire, m'interroge pas sur mes finances. Il est plutôt en bon état. M'interroge pas sur mes finances, bonne manière de draguer. Et sinon ta déclaration d'impôt. La tourelle, on peut entrer par là. Oh mais bon, je joue pas pour le moment, juste une longue cinématique. C'est pendant le moment où je remballe Conrad qui essaie de, qui essaie de me choper, mais. Oh putain, ça avait lâché la manette. Oh, fais gaffe. Eh oui, Vinux. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman. Et oui, il y a toujours les personnages qui sont insupportables au début, qui en fait à un moment sont sympas, et inversement, ceux qui sont sympas et puis qui deviennent insupportables. Ah, Juju, Julia. Prendre une seconde pour dire. Oh, bon sang, Alex, on a réussi. T'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise. Sur le nuage quand même. Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, oh, c'est parti. On a de la compagnie sur le radar du bateau. Mm-hmm. Bah nous dans l'eau, bah y a une épave. Là, je suis en train de ranger mon permis de conduire. C'est bon, super. J'ai regardé à droite à gauche et j'ai rangé dans le tiroir le truc. Ah. Genre, j'ai pas envie qu'on s'attarde dessus. Ouais, Fliss et Felicity, elle a des soucis. Oh, il tient quelque chose. Ok. Il y a un cadavre dans l'eau. Ce pillage, non, j'ai pas pris. Qui se sont vus mourir. Qu'est-ce que... Ah oui, bah oui, parce qu'il avait les photos dans les mains, oui. Effectivement, il a dû savoir qu'il allait mourir. T'entends ça ? Nous, on se doute pas du tout que vous êtes face à des cadavres et tout. Hein. Ouais, bah du... Ah, je vous appelle, j'essaie de vous appeler à la radio. Duke à ah, Alex. Ah, j'entends. Duke à Julia. Allez, vous avez pas répondu, super. On t'a mis en lu. Ça m'a... Oh, une mirène. Je crois que je me suis pissé dessus. Ouais, j'adore les yeux sous l'eau, moi. Moi aussi, je suis un peu dégoûté de pas être sous l'eau. C'est vrai que c'est nul. Pourquoi ils t'ont pas fait jouer celui qui est à côté, là? Et copilote. Surtout que jusqu'à présent, j'étais lui, donc j'aurais pu mourir dans un crash d'avion. Bah, un petit screamer. Horrible. Bah, ça va. Mais effectivement, ils ont pas répondu. Je t'ai entendu alors j'étais en train d'ouvrir une porte. Sous dans les pattes. Genre t'avais des trucs à faire. Ça doit faire un moment. Ouais, je t'ai occupé. Ouais, ouais, c'est ça. Je scrute l'horizon. Mais qu'est-ce que tu fais ? Julia ! Oh bordel ! Ne touche à rien d'autre, pitié ! Tout a l'air bien, bien calme. Ah, je peux zoomer. Pourquoi avoir fait ça? J'ai failli faire des trucs. Oh non, ça c'est bon, j'ai déjà vu ça. Bon bah, faudrait peut-être que je m'en aille, je pense, non? C'est louche. C'est quoi à gauche? C'est juste une petite bouée là, c'est pour signifier là où ils ont plongé, je pense. Bon bah, j'essaie de rebrousser chemin. Arrête de toucher tout, meuf! Je vais aller voir. En fait, c'est drôle de commenter les trucs que l'autre ne fait pas. Tout le long du fuselage. Ah, ah t'as trouvé un secret! Brad va halluciner quand tu verras ça. On sera peut-être utile pour la suite. Peut-être. Ok. Il y a quelques trucs là ou pas? Non.
Mais non, mais là, reviens. Reviens, Fliss. Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Okay. Ça vaut pas le coup. Est-ce que je prends un risque? Pas large. Quoi? Et si tu Quoi? Te trouves coincé sans recycleur? Aller dans un endroit, mais il faut que j'enlève mon équipement pour y aller. Eh, franchement, j'y vais. Oh, Bradis. Arrête de faire le relou, ça va aller. Bon, si on perd Julia, désolé. Sérieusement? Ah non, hein. Mort? C'est quoi ce délire? Décoince-toi. Je voulais attendre le moment où elle devient un peu sympa. Je vais essayer de pas rater les QTE. Allez, vas-y, vite. Mais c'est bon, c'est une pieuvre, c'est rien, meuf. Oh tiens, ma respiration, moi aussi. C'est la sieste, il est pas bien parce qu'il a bu trop de bière. Franchement, ça va, c'était moins d'une minute. J'ai trouvé un autre tableau et j'ai une autre vision. Oh! Ah oui, t'as trouvé un tableau, oui, je le vois. Si tu fais la moindre connerie, il y a des gens qui arrivent. Tu meurs. C'est simple, tu comprends? Et dans la vision, il y avait le bateau qui est en train d'arriver et quelqu'un qui avait un pistolet. Relax, je vais bien, tu vois? No problemo. Moi, j'ai trouvé un truc. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. C'est plutôt bien. Décollage de base américaine, machin, ok. Tout ça pour ça? Bon, j'espère que j'ai pas pris de risque pour rien. T'as trouvé un secret. Ah ouais? Ah, oh. Ah oui, c'est une cinématique. Ouais. La trajectoire t'as qui s'actualise. T'as la même avec le bateau qui arrive? Non, moi j'ai le bateau sous l'eau. T'as pas le bateau qui arrive? Vite. J'ai vu vite fait un truc, mais là maintenant je suis encore sous l'eau. Il se passe des trucs sous l'eau. Il y a l'épave qui se détruit un peu. Ah, et il y a alors, un requin bateau, qui fait un truc de requin. C'est un requin. Oh là là. Allez, viens là. Il y a des gens qui sont pas du tout venus. C'est juste un requin de récif. Bah oui, c'est un requin de récif, ça fait rien en fait. Tirons-nous. Requin de récif. D'accord. On est super profond pour un requin de récif. Bon moment, mais. Oh là là. Là. Putain, il y a Conrad. Trop sûr de moi. Qui est en train oh non, de faire mais le what con avec les gars. Je crois qu'il y a pas de moment idéal. Mais non, mais. Il est en train de les agacer. Oh là là. T'es en train de faire ta demande à Julia là! Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau. Sous l'eau! J'ai en train c'est de faire ta demande. Nul. Julia? Il se passe des trucs graves hein, nous on est en train de se foutre des mecs à dos. Hein. Ouais, bah je sais pas si je veux me marier. On a failli mourir. Tu me fais marcher. Allez, tu me fais marcher, je vais dire ça. Tu me fais marcher? Quoi? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais, montrez-vous, je vous ai grillé. Je peux même pas dire juste dire oui. Je suis sérieux. Il se marie ou pas? Oh, ce sera plus épique quand l'un des deux mourra. Alex, wow. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser. Nous, ça va, on se marie. Vous faites vos trucs de bah pédestre, moi, nous, on bah, est sous l'eau. C'est-à-dire que Conrad vient faire le con, mais bon, les gars sont barrés, et je viens de le remballer parce qu'il a encore essayé de me marier. Nous, on fait des trucs de sous-marin, d'aquatique. Vous faites des cochonneries sous l'eau? Fils, ici Julia. On va remonter. Bah. À toi. Bah, ça ne serait tardé, quoi. Disons qu'on a. Là, on a passé une étape. Quoi. Ouais. Ah, bah enfin, vous vous rendez compte qu'il y a un bateau. Et un bateau, il s'en va. Hé, hey. Attends. On doit d'abord décompresser. Là, j'ai là. Pas suivi ce qu'il. Qu'est-ce qu'il fait, là, Conrad? Il fait un barbecue. Wow, merde. Oh putain, il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, faut qu'on remonte, remontez là. En fait, il a voulu faire un barbecue, Conrad, et il a fait exploser son barbecue. Ah merde, ouais, ok. Oula. Les paliers, ouais. Oui, il faut faire les paliers. Évidemment qu'il faut faire les paliers, mais comment vous le faites? Vous pouvez pas atteindre votre nez. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon, go, go. Voilà, je suis pas remontée comme une folle parce que je sais très bien qu'on peut mourir. Quand on la mère qui est partie qui part en sucette, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, le barbecue sans nous. De toute façon. On peut savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Rien, Conrad voulait faire un barbecue. Tout est sous contrôle. Ah oui, c'était littéralement un barbecue en fait. Je pensais vraiment qu'il y avait une explosion, que tu disais ça pour le gouler. Non, c'était vraiment un barbecue. Il y a des billets sous l'eau. Sur l'eau.
Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. Lox fait un choix, ouais, comme par hasard. Je comprends pas cette question. Allez. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Oh, la vache. Ah ben... Eh mec, la classe. Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Bien joué. Ouais, c'est... GG. Genre, elle tire la tronche depuis le début, mais ça, elle trouve ça cool. Mmh. Vas-y, non. Ah. On a fait des choix, du coup. Ouais. Bon, personne n'est mort. Bon. Pour l'instant. Mais peut-être qu'on a fait des choix qui amèneront à mort. Vous pensez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Oh non, pas les jeux de mots. Et Julia, le grand. Il y en a un qui va perdre un pied, vraiment. Le bel amour réciproque. Que dire de camarade? Plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Oui. Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Relou. Elle semble presque insensible au charme de camarade. Pour l'instant, du moins. Ne vous inquiétez pas. Oui, tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Personne n'est mort. Ça me va. Ouais, écoute, jusque-là, ça va. Oui. Jusque-là, on peut a réussi à se débugger. C'est voilà. Bien. Donc, ouais. En fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaine, sérieux, ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot. Merci pour les cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, hey, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein. Non, comme vous pouvez vous douter, pour ma part, j'étais impressionné. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit je vais en boire une, et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Ah, je joue. Alors, je joue Bradley. Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Tu joues qui, toi, là? Moi, je joue Julia. Je démarre tout juste une carrière avec mon nom, donc je me disais qu'il valait mieux le garder. Bien sûr. Tu pourrais avoir un nom professionnel, comme un pseudo. Et puis ton vrai nom. Je vois les photos que vous avez prises en bas. T'es en train d'hésiter, là, non? Non, mais il est relou, lui! Pas du tout, non! Bien sûr que non! Enfin, je crois pas. Pourquoi sous prétexte que tu veux se marier, faut qu'elle renonce à son nom et à sa personnalité, connard! Ouais. Non, mais ça m'énerve là! Il se sent. Son petit zizi de mec là, il l'a pris cher parce qu'elle a dit je veux garder mon nom! Putain, on est en 2023 les gars. On est en 2023 les dudes là! On a des soucis. Tous les couples ont des soucis. Je veux dire enfin. Ouais. Mais arrête, Alex, on vient de se fiancer! Tout va pour le mieux, non? Te prends pas la tête. Voilà, te prends pas la tête. Voilà. Seulement en parler. Non, je te jette dans l'eau. Julia, en parler. Tu veux me parler d'un truc? Coquette. C'est pas vrai, ça Alex va, j'étais sous le choc avec cet avion qui s'est effondré sous nos yeux. C'est tout. Tout va bien. Ok, cool. Mais oui, cool. Cherche pas des problèmes. Elle dit 15 fois que tout va bien. Forcément, au bout d'un moment, à force de poser la question, ça va moins aller, ouais. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. T'étais distrait? Faut les trouver en même temps sur un petit bateau. Tu trouves plein de secrets, toi. C'est laquelle... Oh. Tu sais... Là où la magie opère. Et c'est cette conversation bizarre. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rut. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Oh, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Non mais ça fait 15 jours qu'on les attend, mec. Bah oui.
Alors moi je joue Brad, donc je crois que je vais pas beaucoup boire parce que la dernière fois que j'ai bu, je suis resté au lit. J'ai eu le perso intéressant quoi. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai joué la meuf qui reste sur le bateau pendant que les autres ont plongé et je vais jouer le mec qui boit pas de bière quoi. Super. Okay. Pendant que les autres s'amusent. Regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey. Où tu l'as mise dans ta valise? Bien sûr. Ah c'est moi. J'y vais chercher du coup. Bah salut. Encore félicitations mec, sérieusement. Je suis très heureux pour vous. J'en reviens pas de l'avoir fait. Et depuis quand tu cachais ça aux membres le plus proche de ta famille, ton poteau, ton confident en chef, ton super coach de vie et conseiller financier? Ouais. Ça faisait quelques mois que j'y pensais. Tu sens idiot, mais... Hey, j'ai pris des super photos. Oh, elle est trop belle celle-là. Faut que je t'avoue. Personnellement, dans mariage au fond de l'océan, je trouve ça plus. C'était super tes photos. C'est super mes photos. Oh, le cadavre. J'aurais ça fait flipper. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon. Vous avez maximisé les relations entre Brad et Alex. Oh, nice. Attends quoi, comment ça? Bravo, moi j'ai rien fait. Moi je regardais mes photos moi. Je te parlais de tes études. Même. T'es un vrai frère, Brad. J'ai dit que c'était donc, bien joué, que c'était bien et que j'étais fier on de lui. On va plonger demain. Ah, du coup bah c'est à dire que ils sont super potes les frangins. Qui dit demain on va plonger, je lui dis j'ai. Moi je vote pour. J'ai hâte de voir cet avion de mes propres yeux. Enfin on moi quoi. Je vais aller chercher Julien. Ouais alors là. Oh non, ma cam elle est encore buggée. Mais c'est fou ça! Pardon, excusez-moi, je refais un petit tab. Ça va, t'inquiète! Ouais, elles sont trop belles mes photos! Ça va, c'est pas non plus, ça va. Ça, ça va, ça. Sont pas non plus. Non, monsieur, moi, elles me conviennent. Ça va le chat? C'est sûr. Et pour le moment, l'histoire, elle est rigolote. Voilà. Le côté, le côté bateau, c'est pas être rigolo, c'est à voir. Ouais. Et me voilà de retour, et voilà. C'est est-ce que tu c'est une vraie caméra ou c'est une webcam? Ah merde attends oh, ça j'ai encore. Non t'inquiète. Faut que je refasse c'est mon téléphone ma caméra. Ah d'accord oui donc effectivement ça peut ne pas ça peut... Vu que c'est du Bluetooth. Ouais. Parce qu'il y a de bonne qualité. Non je l'ai mis en USB. Ah tu as mis en fil à air. Ouais. Oui parce que justement sinon. Sinon, ça, c'est encore plus moins stable. Encore plus moins bien, quoi. On prend le risque que ce soit moins stable. Je comprends. Voilà. Hey, pour l'instant, ça va, ça fait pas trop peur. Manger. Oui. T'as pris la feuille? Non, ça va, franchement, pour l'instant. Oh, non. Non, j'avais là. Ouais, c'était quoi la question? C'est pas mon fort? Ou ouais? Je sais plus. Je vais la jouer humble. C'est pas mon fort. Je l'ai. Allez, viens. Oh là, il est enthousiaste. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Oh, on va faire des bibis. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Je trouve qu'Aurel ne s'investit pas assez dans le jeu. Il reste sur le bateau, fait des barbecues, ouais, il se laisse tout faire. Vous avez fait des trucs tous les deux là-bas. On a fait des bibis. Oh là là, vous avez tous les trucs intéressants, c'est Prolox quoi. C'est vrai. Nous on va ken. Venez voir ma photo. Merci Nicole à Cannes. Hello. Trésor enfoui. Lors de Mandchourie. Merci Nico. Nico all à Cannes. All à Cannes. Bref, merci. C'est peut-être là calé l'avion. Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh. Une autre découverte. Il y avait un plan de vol à bord. Conrad dit, c'est trop de faire genre, il s'intéresse. Un sauvetage. Ouais. Waouh, ça a l'air fou votre après truc la guerre, de geek. Ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Ah. Sur certaines photos d'Alex, on peut voir un insigne sur l'un des cadavres. L'équipage venait de Conwin Island, pile poil au beau milieu du front du Pacifique. Bingo. Putain, mais vous êtes dingue. Excuse-moi. Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va. Mais juste avant, elle était en mode... on peut y aller. Ouais. Ah, c'est parce qu'elle a peur de la malédiction, je suis sûr, un truc comme ça, tu alors sais. Quoi? Ouais. De vieilles croyances? C'est tout? Sérieux? Les morts ne trouvent jamais le repos ici. Ça vous semble peut-être ridicule, mais j'ai grandi avec ces croyances, et ça, ça marque. Ouais... It's marking. It's marking. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée.
On aurait pu prendre une photo au lieu de okay. remonter le truc. Peut-être. Ouais. Si t'es sincère. Ah, c'est du vol. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah. Bonne idée, lui. Réfléchir à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Comment il en a rien à foutre? Ouais, c'est, ouais, c'est clair. Tiens, d'ailleurs, histoire de fantôme. Vous avez vu la dernière vidéo de Feldup? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Arrête d'essayer de participer, Conrad, ouais, t'es ridicule. Ouais, Conrad, franchement, ferme-la, quoi. Eh, vas-y, les copains, je fais partie de l'équipe. Tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Bah, c'est le but, en fait, d'une histoire qui fait flipper. C'est vrai, Charisse, t'as raison. Hein. Fallait okay. le dire avant, Fliss. Je me lance. Dû le dire avant qu'on descende. Oui, c'est vrai. Est vrai. Et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Non, jamais, mais j'ai fait les autres, Nico. Histoire vraie. Mais celui-là, non. D'où elle sort? Et mon préféré, c'est... Si tu veux savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande... Ah, je pensais que le E se prononçait à l'américaine. Genre Nico, comme ça. Ok. Ok, Nico. Tiens, je vais dire... Chut. Voilà. La chute de Daron. Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Je rapporte juste les faits, même les clichés. Le gros plan sur le gars qui réfléchit, pour le tu choisis. On les avait étripés. Les yeux dans le vague de... Julia. Ouais. Tu sais, parfois, il faut savoir un peu embellir les faits pour s'approcher de la vérité. Pas grave. Ok, donc... Qui l'a fait? Il a fondu. Il fait partie de l'équipe. La femme dit... C'était mon frère. Puis se tourne vers le placard et dit... Il est caché là-dedans. Génial, toujours le frère. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et... En effet... Il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. J'ai rien compris à cette histoire. Il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop dégueulasse. Bravo, super la chute. Ouh. Bien joué, mon grand. J'ai même pas eu peur. Oh, franchement, c'était un peu décevant. Oh, allez, c'était pas flippant. C'était un peu ringard, mon pote. Oui. Ok. J'ai allez, essayé, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Tu l'as choisi au fur et à mesure? Non, parce que non, conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre guerre avant d'aller se buter. Deux, trois trucs que d'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 19.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Il y a un orage qui arrive, les gars. C'est vrai. Le temps, il est pourri. Ouais. Mais ils s'en fichent. Ils s'en foutent. Salut, Lacio, c'est le début. Oui, c'est le début. Ouais. Première heure de jeu, quoi. Ouais, voilà. Celui qui a le mal de mer, il doit être bien. L'orage, là. Ah, t'es Conrad. Oh. Ah, moi je fais Conrad et toi tu fais Alex. Super, okay. C'est moi qui me fais le teubé. Au moins lui, il boit de la bière.
Au moins, il colle. Vraiment. On dirait qu'ils ont des petits bras. Oh. Putain, j'ai fait le bon bouton. Oh là là. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, parce que je jouais lui. Je crois que je jouais la meuf. Là. C'est les mange-morts. C'est les pêcheurs qu'on avait remballés. Ah ouais. Ah bah, ils sont pas que pêcheurs. Non. Oh. Ah, je crois. Hein. L'orage, c'est rassurant, oui, bien sûr. Ouais, si, c'est lui qu'on a rendu. Avec son œil. Ok, toi t'es Alex, hein, c'est ça? Oui, je crois. Ouais. Mais ça craint, ils ont montré leur visage, du coup, ils ont plus une intention de nous laisser en vie. Ah oui, d'accord, je comprenais pas. Ah, mais d'accord, j'ai choisi d'enlever le baillon de l'un ou de l'autre. Oh bah tiens, je t'enlève ton, tiens. J'aurais pu choisir ma copine, ouais. Mais j'ai choisi l'autre nulos. Moi j'ai choisi entre toi et Félix. Et on s'arrête là, tu sais, on essayait pas de faire les autres. Ah si, c'est bon. Ah pardon, excuse-moi. Ah non, je savais pas. J'étais plutôt en mode on va enlever les baillons de tout le monde. Ah oui, bah oui. Moi non. C'est qui ce sale type d'après toi? Je vais même pas retirer le baillon de ma copine. Tout est de ma faute, désolé. C'est le premier truc à peu près d'après. Ah, c'est de sa faute vraiment? Ah, c'est lui qui est un peu. Il les a un peu vexés, ils sont partis, il les a un peu. C'est un peu foutu de leur gueule quoi. Il leur a balancé plein de fric à la gueule en disant c'est pour le pognon, vas-y, j'en ai plein. C'est pour ça qu'il y avait des sous dans l'eau. Oui, c'est pour ça. Oh, mais quel relou. Ouais. La pauvre. Là, ils ont embarqué qui? Ils ont embarqué Fliss, là? Ils ont embarqué Fliss. Pendant qu'elle a galère avec ses... Ouais. Personne l'aide. Je sais pas si j'ai la vraie. Pas sûr, moi. Des bras trop courts, moi, j'y arriverais pas, hein. T'aurais pas dû m'enlever ça du visage. Oh ouais, si, j'aurais pu. Mais j'ai préféré parler. Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler. Elle a dû le faire toute seule, c'est trop terrible. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous, je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Bon. Il faut que je libère, tout de suite. Non, c'est mort. Ah, merde. Vous essayez de faire quoi en même temps là? Je sais pas. Ouais. Mais cache-toi. Ah, mais ça se trouve, ils se connaissent, non? On a enlevé nos baillons, ils vont pas être contents. Oh, oh, t'as esquivé? Ouais. Tiens. En fait, je me repère aux couleurs des boutons surtout. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Oh, c'est toi d'abord. Ah merde. Toi, j'ai mis un coup, ça lui a rien j'ai fait. J'ai vraiment les persos de merde hein, jusqu'à présent. Tu les vois? Ouais, où? Tu prends cher, non? Ouais. Je vois de loin.
Merde, Julia. Ils sont en train de tabasser Conrad. Faut qu'on se tire d'ici. On s'assoit. Qu'est-ce qu'on fait? Désinvolture. Je vais les buter un par un. Ouais, on va les buter. Oui, oui. Pourquoi ils s'intéressent tant à Fliss? Bah, c'est la capitaine. Et donc? Ils veulent savoir si elle sait qu'on est là. Putain, c'est moi qui vais peut-être faire crever le premier perso. Oh, je vois ce qui est. Oh non! Non, on attend, putain, on peut rien faire, c'est trop horrible! J'ai trouvé! Ah bah voilà, on s'occupera de moi plus tard, il a dit. Oh bah c'est gentil. À ongles, je sais pas si ça va couper ça, mais bon. Moi je dis l'échange de regard entre méchant et Fliss, peut-être qu'ils se connaissent. Ouais, je suis sûre qu'ils se connaissent aussi. Ouais. Je l'ai pas détaché, mais si. Oh putain, Conrad! Ça passe. Ça va. Non, Alex! Ah merde. Non, la touche pas! Je fais de rien. T'as défaité ouais. Rien, toi? Mais même ça, j'ai rien pu faire. C'est des persos, ils jouent tout seuls. Crétin! Ouais. Crétin, ferme-la un peu. Eh. Mmh. On peut être des criminels et savoir se tenir. Tout à fait. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Les activités de pêche sont variées ici, ouais, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Est-ce que t'as vu mon frère? C'est ton frère... Ah bah non, ben ouais. Non, désolé. J'espère que ça va. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ok. Ça y est, ils arrivent. Ouais, super. On a été efficace. J'ai vu. On voit quelqu'un un peu, non? On aurait dit qu'on voyait quelqu'un dans l'ombre, dans le reflet de la vitre. C'est pas trop, je t'avoue, j'avoue. Hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi? Trop bizarre. Pour savoir s'ils sont riches. Ah. Alex, je suis désolée. Eh, parce que Conrad, il leur a balancé plein de pognon à l'œil. Ils ont pris ma bague. Bah ouais. Oh, mais c'est rien ça. C'est bon. C'est rien. Que le matériel. Ah merde, j'ai plus le son du jeu. Ah, vite, fais start. Tu m'as plus. T'as plus mon son non plus. Ah mince. Oh, putain, mais c'est pas possible. Attendez, j'ai quitté. Oh. Heureux. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends? Ah zut, tu m'entends toujours pas. Attendez, je raccroche et je reviens maintenant. Allô? Allô, ah mince. On vous entend tous les deux. Ah d'accord. On vous c'est lui tous alors. Les deux. Ok. Bon. Mais nous on s'entend plus. Bah si, moi j'entends. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Couille. Qu'est-ce que ça dit que ceci? Ça, c'était un sample raté, le chat d'Aurel. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un sample où on entend des trucs et tout, c'est qu'en fait, à la base, c'était un sample de gouttes. Et au final, au moment de l'enregistrer, ma gourde est tombée. Du coup, je vais couper. Voilà. Vas-y, tu m'entends pas. Et je la rappelle. Allô? Allô? Moi, je l'entends. Allô? Je vais dire que j'entends. Allô? Je t'entends. Non, j'entends pas. Mais pourquoi? Pourquoi j'entends pas? On t'entend. Toi, tu m'entends. Donc, ça fait comme tout à l'heure. Pourtant, j'ai coupé la communication. J'ai refait. Ça marche toujours pas. Et mais d'où ça vient? Pourquoi tu coupes la communication? J'ai fait aussi, mais le problème, c'est qu'il a plus le temps du jeu. Attendez. Je vois pas pourquoi ça fait ça. Mais tu as pas le son. Ah, ça te fait rire, Mimoso. Ah, ça te fait rire.
non plus. Allô ? Ouais. Non, j'ai pas le son du jeu non plus. Mais tout à l'heure, je crois que ça m'avait fait pareil quand... Attends. Attendez, je vais raccrocher encore. Ça va peut-être aller, hein. La galère avec... Mais en fait, c'est malheureusement, c'est Aurel, il a plein de merde sur son PC depuis le début du stream. Oh non. Allô. J'ai relancé, j'ai rappelé. Et je pense que... Je n'y comprends pas grand-chose. J'ai rappelé, mais ça change rien. T'as rappelé ? Ah, bah là, ça marche pas. D'accord. Alors... Et franchement, faudrait arrêter le stream avec une Switch. Pourquoi ça marche pas ? Mais en passant, j'ai réussi à patcher full VF le jeu. Ok, Sundar. Très bien. Pourquoi ? Intéressant, Sundar. Est-ce que j'ai quelque chose à faire si je coupe ça, que je le relance ? Non, ça se trouve, c'est son casque qui a le problème. Ah ouais, ton casque. Je vais dire. C'est pas ton casque. Test une musique. Pourquoi ça marche pas ? Ou autre, voir si tu entends. Bon bah. Je sais pas s'il entend. Tester une Margaz Party. Enfin, je sais pas comment ça se passe sur le chat d'Aurel, mais est-ce qu'il entend les alertes que vous lui faites ? Je vais voir si je peux faire une alerte, un truc. Un truc sound alert, GG. Hop là, je teste. Mais pourquoi le... Ah mais j'entends plus rien. Ah voilà, ouais. Voilà, vous entendez, c'est lui alors. Enfin c'est peut-être juste au niveau de son casque, son câble. Attendez, pourquoi c'est... Peut-être le casque. Vous entendez dans le chat. Vous entendez l'alerte. Moi, j'entends même pas l'alerte. Là, vous entendez les merguez parties, par exemple. Oui. Attends, déjà, je vais écouter son live. D'accord. Vous entendez. Attends, déjà, oui, on entend, oui. Pourquoi il n'y a que moi qui n'entends pas ? J'entends plus rien du tout. Moi qui n'entends pas ? J'entends plus rien. Vous entendez. Vous entendez l'autre. Très, très bizarre. Franchement, au pire, moi, j'anime. Okay. Bonne Ikera, des bisous, bon courage pour le lundi matin, c'est demain. Ouais. Allô ? Oui ? Non, toujours pas. Ouais, je vais parler en continu, comme ça il sera, tu vois. Peut-être le casque. Le câble du casque, débrancher le casque. Je le rebranche. Ouais, hein, franchement. J'étais bien sonotone. Moi j'entends... j'entends mes alertes. 1, 2, 1, 2. Non. Merci Allô beaucoup. Merci beaucoup de Neko. Cette fois, je vais dire merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Pourquoi ? Est-ce que je ne lancerai pas la VOD maintenant, limite ? Bon, on est dans un moment de suspense, mais ce serait peut-être mieux. Je vais couper la VOD là et je vais la relancer. Je vais essayer un truc. Quand le problème sera réglé. Des bisous VOD. Essayer. C'était la découverte chaotique de Dark Picture Anthology. Dans... Man of Medan. Avec Aurel à côté qui essaye de résoudre ses problèmes. Ça me fait beaucoup rire d'entendre ce petit peut-être comme ça. Bref, des bisous, venez.